Hey, ici Étienne 907 pour SPQC. On repart de où est-ce que j'étais avec Spifo sur le couch. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais partir encore plus explorer vers le sud-ouest. Et comme vous pouvez voir, si jamais ça prend, si jamais je commence à être loin de la maison, je me suis amené quelques balles, un peu de provisions et de l'eau de rechange au cas où. C'est sûr que je risque de revenir à la base, ça c'est sûr. Mais j'avais envie d'explorer la map un peu plus vers le sud-ouest. Parce que si je me souviens bien, il y a un poste de police par là et j'aimerais bien pouvoir pogner un shotgun. Je sais pas si les nouveaux guns étaient rajoutés dans cette version-là. Ce que je veux justement voir aussi. Pour ça que je m'en vais à la station de police. Mais s'il y en a des niveaux, ça serait très intéressant d'en avoir à voir à quoi qu'il ressemble le gun et si les sons des balles sont intéressantes. Mais à date, j'ai pas trouvé de balles de d'autres sortes de guns, alors je pense qu'ils sont peut-être pas encore rajoutés. C'est peut-être dans la 29 qu'ils vont être là. Voyons, est-ce qu'il y a des zombies ici? Non, on va continuer par là, parce que si je me souviens bien, elle est au bout, là. T'es à quelque part dans ce coin-ci. Le restaurant que j'ai fouillé dans le dernier épisode. Et j'ai toujours besoin aussi d'expérience pour augmenter mon attaque tranchant. Donc, je vais en profiter le plus possible. Comme on peut voir, je suis ennuyé et triste à cause de la nourriture que je mange, puisqu'elle commence à être de moins en moins bonne. Le journal. Ah, attends. Ah non, c'est pour la dépression. Ça marche pas. Les journaux, c'est pour la dépression. La tristesse, ce serait le chocolat et autres. Intéressant. Des petits magasins, j'imagine. Je pense que c'est un supermarket, celui-là. Il y a quand même une petite quantité de zombies par ici. Ok, backup. Un petit coup dans les jambes. Ok. Nope. Personne ne va avoir une morsure sur mon épaule. Personne ne goûtera à mon épaule. Non, good. Tabarouette, ma hache, je sais pas si c'est parce qu'elle a perdu de durabilité qu'elle est moins bonne, là. Mais à date, là. Alors, on dirait qu'elle fait pas mal moins de dégâts. Yes! Bon, good. Voyons voir. Est-ce qu'il y en a un qui a une hache de rechange? Je serais dû pour la changer, ma hache. Non, il semble que non. Il y en a un qui a un stylo, je pourrais l'utiliser puis le planter dans l'œil d'un zombie, mais. Je pense à une durabilité d'un seul coup, par contre, c'est ça le problème. Tu l'as, mais tu perds ton arme. Alors, tu peux juste tuer un zombie. Alors, make it count. Il y en a un dans les arbres quelque part que j'ai entendu. Non, c'est good. Ouais, c'est un petit supermarket. Il faut que je continue encore plus vers le nord. Vers le nord, le sud. Pour trouver la station de police. Oh yes, sir! Oh my god, je suis plein de marde. C'est la deuxième hache que je pogne de même, moi. Ok, on va s'éloigner un peu, puis on va équiper ma nouvelle hache. Quoique, non, je vais la garder, je vais la mettre dans mon autre sac. Hein, j'aurai une hache de rechange si celle-là pète. Génial. On n'a jamais trop d'hache. Oh, il crève, merci.
personne. Good. On va se faire un chemin lentement, pas vite, vers la station de police. Faudrait peut-être que j'y fouille. Une alliance. En autant que ce soit pas une mariage. Voyons. Une bague pour qui elle a demandé à se marier. Là, ce serait juste encore plus triste. Yes, sir. J'ai hâte qu'ils rajoutent dans le multijoueur le nap pour qu'on puisse dormir dans le jeu. Parce que le multijoueur, quand t'as pas besoin de dormir, on dirait que c'est comme trop facile. Mais je suis pas une personne de vrai multijoueur. Je suis plus un single player ou un PvE. En tout cas. Oh, je me souviens pas de ce building-là. Couteau à beurre. Une arme, mais pas très bonne. Ah, shit, la pluie. Tiens, je me suis amené. J'ai encore des serviettes de bain sur moi, donc je vais pouvoir m'essuyer. Pendentif. Ok, good. On va se faire un chemin lentement, pas vite. On va essayer de se rendre puis de s'abriter dans ce building-là avant que d'être trop mouillé et d'être malade. C'est quoi ce building-là? Je me souviens pas d'avoir vu ce building-là. Je l'ai probablement passé tout droit à quelques reprises. Est-ce que je suis à l'abri ici? Ou je me fais mouiller pareil? Je dirais que je suis à l'abri. Malgré qu'on dirait que la pluie elle atteint ici. La porte est barrée. Mon bonhomme commence à avoir faim. On va consommer des chips. Ouais, je me fais mouiller pareil. Ok, c'est good. Si j'en prends note. On va essayer de passer par ailleurs. Voyons voir. Est-ce que j'ai une porte sur le côté ou une fenêtre que je peux ouvrir? Non, il y a juste le devant qui est ouvrable. Je vais essayer de bust open la porte, voir si ça fait trop du bruit. Fou! Swing! Juste à temps. Bon. Go. Espérons que ça l'attire pas trop de zombies. Ok, good. J'ai-tu encore une serviette de bain? Oui. Ok, on va se sécher. J'en entends un vraiment proche. Oh my god! Ça m'a fait le saut, toi. Ok, good. Je vais dropper cette serviette de bain-là. Et je pense qu'ils sont pas mal devant la porte en ce moment même, ouais. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le problème, c'est que je peux pas vraiment fermer de porte. Ah! En ce moment, je me suis peut-être mis en danger pas mal. J'attends juste pour voir si d'autres zombies vont rentrer par la porte. Puisque j'ai quand même fait un gros bruit justement en la pétant avec ma hache. Mais il le fallait pour me protéger de la pluie. Ok, bon, on va explorer un peu plus loin. Ok, c'est un genre de. C'est quoi, c'était. C'est-tu un genre de banque? Je dirais que ce serait une banque. Avec les bureaux juste assis. Good, on est correct. On va fermer ça. Morceau de papier, journal. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de. De nom sur le devant. Mon Dieu, t'es trop bien proche, toi. Je t'entendais comme si t'étais à côté de moi. Bon, il doit sûrement en avoir un qui est rentré. Non? Ok, c'est good, on est good. La pluie est toujours là. Ok. Oh, une corde, tu tiens, j'imagine ça doit être utile pour escaper from escaper. S'enfuir de hauteur, par la hauteur.
Oh, un zombie vient de péter. Deux zombies viennent de péter les fenêtres. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'une. Shatterstone. Aucune idée. Ah! La pluie vient de finir. Good. On va pouvoir quitter cette zone. Arme tranchant, s'il vous plaît. Pour faire plus de dégâts et de meilleurs coups. On va voir mon état, j'ai pas été touché. What? Hey! T'étais même pas là tout à l'heure. Merci. Ouh! Ce qui est étrange, c'est qu'on dirait que je mange même pas de dégâts. Jusqu'à ce que j'en mange un. Hein? Mais à date, là, sérieusement, on dirait vraiment que je mange zéro dégâts. Je sais pas si c'est à cause que la version française, il y a justement pas. Il y a un léger bug, justement. Parce que le dernier coup, c'était justement le cœur qui apparaissait pas. Il y en a une couple, ça. Le cœur, j'étais pas capable de l'ouvrir. Oh my god, je les entends, maudit. Ouais, le cœur, j'étais pas capable de voir mes stats, dans le fond. On va zoomer un petit peu parce que. Personne derrière moi. Good. Hey! Clear. Il y en a un qui s'en vient ici. Non! T'es fort, toi, hein? Ok. C'est ce qui est dangereux avec ces zombies-là. Il y en a qui sont genre rapides. Que tu peux pas vraiment repousser. Comme là, j'aurais dû prendre une scratch, sérieusement. Hein? Me semble, j'aurais dû d'être blessé. J'ignore si la version française est buggée. Il faudrait que je regarde sur les forums s'il y en a qui disent qu'ils peuvent juste pas mourir. Mais je ne prendrai pas le risque de. Regarde, ils sont pas capables de me faire mal, mais puis tout d'un coup, pouf! Hey, t'es mordu, espèce de merde! Tu vas devenir l'un d'eux. Je vais me faire exploser avant. On va trouver une bombe là. Je vais me faire exploser avec. Tu vas voir. On va faire chew on that, bitches. Puis on va tout exploser. Ça va être sweet. Il va y avoir plein de flèches partout. Hey, il y a donc bien des zonzons ici. Oh, celle-là, faites du bruit. Ça a attiré une petite couple. Est-ce que vous m'avez vu ou vous suivez juste le chemin? Ah, c'est Knock Banks. Ah, ok, ouais. Knox Bank. Est-ce que je me disais aussi que c'était la banque? Mais c'est juste que le plafond était disparu. Ok, on va partir par ici. Une maison est en train de se faire smash. Hi, mon bonhomme, il est fatigué de bonheur quand même. On va se trouver un spot pour dormir. Parce que. Bon, bonhomme. Quand on est fatigué, on a moins d'accuracy, si je me souviens bien. Je pense plus qu'on voit moins les. On a plus de risques de se faire attaquer, surtout. Sa maison-là, elle a l'air pas trop envahie par les zombies, alors essayons de la reprendre. Alors, essayons de reprendre possession. Oh, il doit avoir. Oh, la fenêtre est pétée par contre. Je suis à peu près sûr qu'il y en a un derrière cette porte-là. Il y en a un là, en tout cas. Il n'est plus. Ok, voyons voir. Est-ce que je suis capable de voir la porte d'entrée? Non, elle est toute. Je sais, il y en a un juste là, j'en suis sûr. Yep. Oups.
Bon, good. Est-ce que c'est assez simple pour passer la nuit, par contre? Est-ce que j'ai des planches sur moi? Non, hein, c'est ce que j'ai pas amené. J'ai 150 clous, mais j'ai pas de planches. Je prends-tu un risque? Ok, on va prendre un risque parce que j'ai vraiment besoin de. Mon bonhomme a besoin de dormir, comme on peut le voir ici. Je suis exténué. On va faire un dernier tour du périmètre juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de. Voilà, de zombies justement. Pour pas que qu'ils pètent ma fenêtre, puis qu'ils rentrent dans ma chambre, puis me mordent, puis qu'ils me bouffent tout court. Ça a l'air safe. Le problème, c'est ce petit bois-là que je peux porter à pas faire confiance. Ah! Oh, il y en a un autre. Ouais, il est là. Good. Il y en a un autre à quelque part. Crème, je te voyais pas pantoute, toi! Donc tu sors. Oh my god, je suis vraiment aveugle. Ça paraît que j'ai besoin de. Que mon bonhomme a besoin de sommeil. L'autre ici m'a vu, si j'ai bien vu. Je suis rendu de m'amener des vitamines pour me booster un petit peu. Good. Mon dieu, il y en a donc bien. Bon, ok, on va prendre un risque. On va prendre une chance. Ça peut être la fin. Je croisons-nous les doigts. Je suis prêt en tout cas. J'ai mon compte. Oh shit, un gunfire. On va souhaiter juste que ça viendra pas voir la maison que je me suis établie juste pour la nuit. Ah ouais, réveille-toi. Réveille-toi. Merci. Je vais mettre fin à cet épisode-là ici. On va reprendre l'exploration vers le sud-est, le sud-ouest. Puis dès que je trouve la police station, on va essayer de retourner vers la maison. Alors, à la prochaine!